Hello, coucou tout le monde, c'est Jolie Dream, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis pour un nouvel épisode de Victoria. Et je vous avais demandé sur les réseaux sociaux, donc c'est sur Twitter, sur Facebook, sur mon Insta si j'en ai parlé, et aussi sur la chaîne dans l'onglet communauté, je vous ai proposé de fabriquer, enfin de bâtir, de builder un spa, voilà. Et donc vous deviez le partager dans la galerie avec le hashtag SpaDreams, donc j'étais un peu voir ce que vous avez fait. Donc il y a 5 personnes qui ont participé, donc je vais prendre 2 créations, il y en a une qui sera dans Victoria, mais également une dans le 100 bébé challenge qui va bientôt revenir sur ma chaîne, donc voilà. Ça, vous savez, grande nouvelle, il va revenir, c'est pour bientôt. Je vous invite à checker le planning éventuellement quand j'aurai fait les tournages, indiquerai quand ils ressortiront, donc voilà, comme ça vous serez au courant. Donc malheureusement, donc j'ai 5 spas, je vais pas les prendre tous, je vais prendre les 2 que moi en tout cas je préfère, que je pense les plus adéquats pour mes séries. Donc j'ai quand même les montrer un petit peu tous parce que voilà, j'ai quand même envie de montrer un peu vos créations. Donc je les ai pas mises dans des terrains parce que j'ai peur que ça prenne du temps dans la vidéo et j'ai pas forcément envie qu'on fasse que ça dans la vidéo. Donc le premier spa que je vais vous montrer, donc c'est pas un spa que je prends, c'est celui de Thomas Moule 706, désolé si je prononce mal ton pseudo. Donc petit spa monade avec tout le nécessaire by Tomam, ok. Donc déjà il est assez grand quand même et j'aime bien l'idée de mettre les petites voitures comme ça, vraiment pour déco c'est super bien. De ce qu'on peut voir ici, donc le spa il a paisible, il a aura romantique et accueillant. Donc ça c'est déjà des super traits, c'est des très bonnes idées de mettre ces traits là. Je vois ici qu'il y a des petits trucs pour faire masser les mains et les pieds. Là il y a des trucs de massage, un petit coin pour boire un petit verre. Là une salle pour faire du... les cours de yoga, les saunas, enfin il dirait qu'il y a vraiment tout. Mais c'est pas encore mon chemin. Non, oui, voilà, je t'ai apprécié, je fais en fonction de mes goûts et de ce que j'imagine bien dans mes séries. Donc voilà, ne le prenez pas mal si je ne le prends pas, voilà. Bon, en tout cas, voilà, si vous désirez des jolis spas pour vos villes, les amis, voilà, vous tapez SpaDreams dans la recherche avec le hashtag sur la galerie et vous aurez des très belles créations. Donc Thomas, il y a Ayame Senpai aussi qui avait fait un spa qui était très bien. Il avait mis les traits lui naturels. Brise vivifiante et accueillant, là aussi on a vraiment un très beau spa, j'aime bien l'extérieur, l'extérieur est vraiment très très joli, vraiment très moderne comme ça avec la baie vitreuse, c'est super joli. L'entrée comme ça super originale, avec la petite piscine derrière, là aussi on a les trucs pour les mains. Quoique, si j'ose peut-être dire, enfin je vais me permettre quand même de donner des petites critiques parce que bien y en a certains qui m'ont demandé de donner mon avis. Hein. Maintenant je ne dis pas que j'aurais fait mieux, hein, je donne juste mon avis. C'est peut-être ici un petit peu grand, peut-être que j'aurais peut-être mis un petit sas ou quoi, je ne sais pas, voilà, c'est juste mon avis. Et c'est vraiment de recouper un petit peu la zone, peut-être des plus petites zones, je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est ce que j'aurais fait moi, personnellement. Bon, le spa est pas mal, mais voilà, c'est pas mon chouchou. On a aussi Sephiroth74 qui a participé. Coucou Sephiroth, que je connais, que j'ai déjà vu en convention, si c'est bien celui que je pense, mais j'en ai pas plusieurs dans la commune, donc je pense que c'est lui. Il a mis brise vivifiante, lumière naturelle et conviviale, donc c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre ces traits-là. 6 salles de bain, waouh. Donc... il a fait un spa qui est un peu plus japonisant, je peux dire, par rapport à la forme du toit, hein. C'est vraiment rien, l'extérieur, vraiment, le devant est super beau. L'entrée est vraiment très très cool, comme ça, mais c'est vrai que c'est fort grand, je trouve, et peut-être que ça me fait plus penser à une piscine qu'à un spa, donc du coup, voilà, c'est peut-être ça qui, moi, m'a un petit peu... m'a donné un petit peu quelques réticences. Là, je vois qu'il y a 2 places, on dirait des places de parking, sûrement, ça fait penser un petit peu à ça, bon, c'est des places de parking. Et donc là je vais vous montrer, hein, donc le prochain c'est le gagnant donc de celui de, qui aura son spa dans la série Victoria, c'est The Kingdom. Bon je tiens à préciser, oui, pour ceux qui savent, Kingdom est un de mes modérateurs mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai choisi son spa, excusez-moi, c'est juste que je trouve son spa vraiment très joli, l'extérieur est vraiment juste époustouflant, voilà, je le trouve magnifique. Comme ça, il a vraiment joué avec les nouveaux outils de terrain, ça je trouve ça génial parce que c'est que moi je n'ai encore jamais joué avec, je vous l'avouer. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'aime bien comme il a agencé les pièces. On a la petite salle pour le yoga, on a les petits trucs pour se faire masser, enfin voilà, on a vraiment tout. J'aime beaucoup aussi le petit coin espace un peu sport avec la terrasse au-dessus à l'étage, donc je pense que ça ira vraiment très très bien. Pour la série Victoria, voilà, j'imagine bien ma petite Victoria se détendre dans ce spa. Et donc la dernière création, donc celle qui ira donc dans le 100 bébé challenge, c'est celle de Guillermine, je sais pas si j'ai bien ton pseudo, j'en suis désolée, mais en tout cas voilà, ça aussi ça a été un de mes chouchous, franchement quand j'ai vu ton spa, j'étais en mode lequel est-ce que je mets où, puis je me suis dit bah celui-là il ira dans le 100 bébé challenge. Donc elle a mis comme très paisible,
ensoleillé et brise vivifiante. Donc je trouve le spa vraiment très très chouette, vraiment très joli. Elle a joué comme ça avec les toits comme ça, vitrés, c'est super beau. Donc là on a un petit espace, un genre de petit salon il me semble si je vois bien. Là on a un petit espace un peu massage, là le coin où on fait le yoga et que je regarde la piscine comme ça avec le truc ici. Enfin ouais non voilà, je vois vraiment très bien ce spa dans le Survive Challenge. Je vois bien ma petite matriarche dragouillée au bord de la piscine, enfin voilà. Donc voilà. Donc bah voilà les amis, je vous propose qu'on passe maintenant à l'épisode. Et je vous reprends avec notre petite Victoria, les amis. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air... Ah non, c'est juste ton acné. Ok, je me dis, mais mince, elle est malade, elle est comme moi. D'ailleurs, si j'ai la voix un petit peu cassée, je suis un tout petit peu malade, je suis un petit peu enrhumée, mais bon, voilà, c'est comme ça, malheureusement. Donc, encore merci à toutes les personnes qui ont participé au petit challenge de création de spa, en tout cas. Merci à tous. Bah voilà, donc, désolé pour ceux que j'ai... pour qui je vais pas prendre les créations, maintenant c'est pas perdu parce que je suis sûre qu'il y a des gens, d'ailleurs j'ai vu que des gens les avaient téléchargés, donc voilà, vous n'avez pas fait ça pour rien, vous avez fait des gens, enfin vous avez fait ça aussi pour des gens qui vont jouer avec vos créations, donc ça c'est cool. Mais bon, donc en tout cas, bah voilà, ça sera celle de Kylian qui sera dans cette série-ci, et celle de Guillermine, si je dis mal ton pseudo, qui sera dans le son bébé challenge. Donc, mais bon, revenons à notre petite Victoria, donc bah on n'a pas de... qu'on appelle ça de... Ah, d'audition pour le moment, bon, enfin si d'audition on en a, mais de... qu'on appelle ça, de contrat pour le moment, voilà un petit peu voir ce qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc nous avons médicaments précliniques, gain du contrat, oui c'est pas mal, on va peut-être aller vers des trucs un peu plus, un peu mieux peut-être, donc médicaments, donc ça c'est niveau 2 de compétence comédie, les outils on a déjà fait, publicité mousse salée, flamme sauvage, compétence niveau 3 de compétence comédie. Et là, on pourrait avoir un bon... un meilleur salaire. J'ai envie de risquer ça. Donc, commence à 9h le mardi. Bah écoutez, on va essayer de voir. Donc, on doit avoir niveau 3 de comédie. On a le niveau 2. Ok, bah écoutez, on va se faire ça. On va essayer de se faire ça. Oh, désolé, petite coupure, j'ai dû faire quelque chose qui... Parce que voilà, j'avais un petit bruit chez moi qui m'ennuyait. Donc, notre petite Victor va se faire un petit truc à manger, il est 8h du matin. Je suis en train de me dire que j'irais bien peut-être refaire un petit tour autour de chez moi pour prendre les quelques ressources que j'ai. Histoire de qu'on se mette bien, quoi. Parce que là, niveau sous, on n'en a pas trop. On n'en a pas beaucoup, je dois vous avouer. Au niveau du calendrier, qu'est-ce qu'il reste comme jour de... Il reste quand même pas mal de jours d'automne. Hein. Je regarde là, ici. Alors, on a la foire aux talents. Juste là. On a les topissimes le dimanche. Je regarde un petit peu. Bon, la fête des récoltes, on l'a déjà faite. Je pense que j'ai souvent peut-être accéléré le move un petit peu au niveau des... Enfin, vous avez compris, quoi, des... De la saison, voilà, je cherchais après mes mots, désolé. Ça c'était, je dis en mode, mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Excusez-moi, mon dieu. Bon, ça va, mais bon, vous m'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment est-ce que je peux gagner de la comédie? Donc, hop, toute comédie est utile pour parler aux autres Sims. Devant un micro, est-ce qu'on a... On n'a pas de micro, je vais peut-être en acheter un. Donc maintenant oui, j'ai téléchargé plein de CC les amis, j'étais sur le site Around the Sims il y a une semaine ou deux et j'ai téléchargé plein de CC, c'est ça que j'ai mis un petit peu de temps à les charger, mais j'en ai tout plein et ils sont trop jolis, donc du coup bah enfin voilà, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à charger. Donc activité compétence, est-ce que j'ai un petit micro que je peux acheter? Ça ce sont les pieds de guitare, micro, voilà, micro, on va prendre écoutez celui-ci. On va le mettre dans le salon ici en attendant, hein, hop. Voilà, hop, voilà, comme ça on pourra un petit peu s'entraîner au niveau de la comédie. Donc c'est juste ça qu'il nous faut, ouais, c'est juste la comédie qu'il nous faut. Bah écoute, on va se faire ça. Puis je pense qu'on va aller un petit peu aller se détendre au spa justement que Kylian nous a fait. Et re les amis, donc notre petite Victoria a... je lui fais prendre 2 poids de comédie, comme ça elle est à 4, on est sûr d'avoir le contrat, hein, parce que j'ai quand même bien envie qu'elle réussisse cette audition, qu'elle ait un meilleur rôle que bêtement dans des pubs, parce qu'il me semble en fait
quand je regarde, audition Flammes Sauvages, nous cherchons une prochaine star à la fois amusante et irrésistible pour la 6ème saison des Flammes Sauvages. Donc c'est quelque chose, donc c'est une série. Donc 7 étoiles, le tas de feuilles entre les sacs de couchage, les flammes de l'amour brûlent près du lac au camping sauvage. Préparez-vous à beaucoup de rire et d'amour avec tous vos moniteurs préférés. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal. On va aller vite se brosser les dents. Hop, se laver les dents, histoire d'être un petit peu vraiment au top de notre forme. Aussi, vous voyez, j'ai un petit peu plus de sous. Je suis passée donc, dans le parc, là, récolter un peu les petits trucs, les petites pierres et tout ça pour me faire un petit peu d'argent. J'ai quand même dû payer des factures, j'avais 400 et des factures, donc... voilà, donc c'est vrai que je vais vous reprendre au spa au départ, mais je me dis, bah voilà, on va aller à l'audition, puis après, on ira... Ah mince, on l'a cassé. On l'a cassé, ah mince. Bon. Je regarde au niveau de ces trucs, faire un petit pipi, voilà, je pense que ça pourrait être bien. Voilà, hop, comme ça elle sera bien full. Et elle va aller à son audition toute garage. Donc j'espère vraiment qu'elle va la remporter. Ça pourrait vraiment être trop trop bien qu'elle ait un meilleur contrat que tous ceux qu'elle a eu. J'ai vraiment envie que notre petite Victoire devienne une star. Convention geek, non, peut-être pas. Désolée. Audition réussie, Victoire. Le directeur de casting vous a trouvé suffisamment compétente. Vous devez rapidement aller voir le réalisateur en début de contrat. Nous comprenons que les Flammes Sauvages a pour thème la parade nuptiale nécessaire avant la séance de crac-crac. Par contre, nous ne voyons pas le rapport avec les feux de camp et le fait de planter une tente. Ok, d'accord. Donc, essayons de gagner l'un des défis de Convention Geek. Ouais, non, désolé Vanessa, mais j'aimerais bien davantage faire autre chose que bêtement. Je vais juste vite réparer ça. Donc, qu'est-ce que je dois savoir faire? Que je regarde commencer à s'entraîner pour la scène romantique, pas commencer, développer la compétence comédie, pas commencer. Donc, maintenant on est quand même niveau 4, enfin, mercredi à 10h, ok. Oh là là, oui. Donc, bah écoutez, on va s'entraîner à jouer et s'entraîner scène romantique, qu'est-ce que je peux faire? Avec un ou un autre Sims, ok. Bah écoutez, moi ce que je propose qu'on fasse, donc je vais juste m'entraîner, je vais juste entraîner ma comédie, je vais y arriver. Et puis après on va aller, je pense avec Vanessa au spa, et on va s'entraîner un coup au truc romantique. Donc voilà, je vous reprends maintenant au spa, si j'espère. Et je vous reprends les amis dans le magnifique spa qui a été fait par Killname. Donc je vais peut-être juste mettre un petit truc, faire un petit coup de truc sur les réseaux sociaux, genre en mode, regardez, je suis là... tout est nickel, tout va bien. Je regarde un petit peu. Y a rien qui peut me faire faire... Ah voilà, j'étais une souris sur Instagram, voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore... j'ai pas beaucoup de points de... Enfin, je suis encore inconnue, quoi, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Alors que j'ai déjà fait des publicités et tout, donc j'ai gagné des abonnés. Donc, voici le magnifique spa fait par Killname, je le trouve vraiment splendide. Oh, regardez, on va mettre nos petits... mettre un peignoir. Hop, on va se mettre un peignoir pour être vraiment détendu pour le lendemain, parce que j'ai besoin de me détendre, parce que c'est demain que j'ai mon contrat. Voilà, il faut absolument que je... Miramis, c'est le cas, bonne chance. Ok, d'accord. Il faut vraiment que je réussisse à avoir ce truc-là. Tu vas où, Vanessa? Vanessa. Il faut qu'on s'entraîne à faire un truc... hop, plus de choix. Jouer une scène d'amour pour donner des pourboires. Là, je pense que ça pourrait peut-être le faire. On va tester ça comme ça. Hop. Avec ma meilleure amie, faire une scène d'amour. Voilà. Hop. Vanessa, tu veux bien? S'il te plaît, il faut qu'on s'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Que je sois vraiment au top de ma forme. Histoire de grimper aussi mon jeu d'acteur, ça pourrait être bien. Toi aussi, tu t'entraînes aussi. Oh ma chérie, ma douce. Tu as la peau douce comme un cul de bébé. Tu es magnifique. J'envoie des bisous. On aura des pouvoirs peut-être. Ça pourrait être cool. Je te renverse. Mon dieu, quel amour renversant. Incroyable. Et Mouk. Mouk, c'est le bruit du bisou. Voilà, j'ai un peu raté mon bruit de bisou là pour le coup. Merci, 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 merci. 50% seulement? Oh là là, mon dieu. Bah écoutez, on va le refaire. J'ai gagné un petit peu de... Bon, je vais le faire deux fois, hein, du coup. Donc qu'est-ce qu'on ira faire après? Je pense qu'on ira se faire masser. J'aimerais bien aller me faire masser. Voilà, qu'elle soit vraiment bien au top de sa forme. Et puis... faire un petit peu de yoga, ça pourrait être trop bien.
C'est madame qui donne des cours. Je ne sais pas. Posture. Je vais faire un jet de main de yoga. J'ai encore jamais fait ça. Enfin, si j'en ai déjà fait, je crois, une fois dans une autre série. Allez, gagne un petit poids de compétence. Oh, elle s'est fait un tour de rein. Ah oh oui, bon, tu vas aller te faire masser, là. Je crois que c'est, ça devient nécessaire. Bon, voilà. Merci, 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 merci beaucoup. Merci à vous. Oh, bah ça va. Oh, et regardez. Oh, tout le fric qu'on a. Oh, c'est trop bien. Bon, bah voilà. Donc, on va aller se faire masser. Donc, engager un masseur, recevoir un massage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aromathérapie. Oh, recevoir un massage d'aromathérapie. Recevoir un massage au pire. Au pire chaude. Bien non, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Massage. Massage suédois, voilà. Hop. Voilà, lui, voilà. Tu seras parfait pour me masser le dos, mec. Voilà, histoire d'être vraiment ferme. Bah vas-y, masse-moi. Tu me masses? C'est ton boulot, non? Tu veux bien? Hop. Oh. D'être vraiment ferme pour notre contrat. Ça a l'air de bien s'y prendre. Est-ce qu'au niveau de ses... Oups là, ils avaient un peu mûr. Est-ce qu'au niveau de ses compétences, est-ce que... Fatigué, ah ouais, elle est fatiguée, puis quoi? Performance irrésistible. La façon de prononcer les répliques, ce regard défaillit. Oh, mon dieu, incroyable. Elle est un peu fatiguée. Ah oui, mais elle est vraiment fatiguée, en fait. Enfin, voilà, ça, c'est déjà ça. On ira faire ce petit massage-là. On ira, je pense, ensuite... prendre un petit cours de yoga. Oh là là, mon Dieu! Oh là 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 là, performe... Oh là là, mon Dieu, elle a envie de faire des choses, là. Mais calme-toi, Victoria. Vous savez qu'elle a pas de chéri. Faut voir aussi qu'on lui trouve un petit chéri, hein. Qui sait? Nous verrons. Nous verrons qui nous pourrons trouver pour cette jolie demoiselle. Bah, Vanessa, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est Vanessa? Là en dessous, peut-être? Oups, excusez-moi. J'ai un peu vite. Ah oui, ok, là, elle s'est pris un truc à bouffer, tranquillou. Ah, elle cuisine! D'accord, ok. Bah, écoute, si tu veux. D'accord. À ton aise. Pendant que la miss ici est en train de se faire masser, mais là, trop, trop bien, quoi. Et combien de temps il reste? Ah bah voilà, elle a fini. Elle a fini au niveau de, du cours de... Est-ce qu'il y a un cours? Il n'y a pas une prof de yoga? S'entraîner au yoga? Posture du salut, posture de chien en bas. Elle a des compétences en bien-être? Non, je me disais aussi qu'elle n'a pas de compétences en bien-être. S'entraîner au yoga. Ok, elle a juste acquis la compétence bien-être. Je pensais vraiment que... Bah, c'est fou ça, je pensais vraiment qu'elle aurait... Parce que parfois, il y a des cours de yoga. Ok, bah écoutez, on fera ça à un autre moment, je pense, du coup. J'aimerais bien qu'elle se fasse un petit peu... Ah, par contre, ce qui va, c'est qu'on a une salle de sport ici, donc du coup, on n'aura pas besoin d'acheter des trucs de sport. Enfin, si on en avait déjà acheté un, mais j'aurais pas besoin de l'utiliser, je pourrais déjà tout de suite le revendre. Voilà. Demander un massage des pieds. Hop, oui, voilà. Ça pourrait être bien. Ils attendent tous en fait pour un massage? Ils attendent tous? Mais j'aimerais bien me faire masser, moi. Je veux juste me faire masser, s'il vous plaît. Ah voilà. Voilà. Tu me masses? Ah voilà, super. Pourquoi t'es pas en peignoir? Voilà. Par contre, t'aurais peut-être pu mettre autre chose quand même comme tenue de sport. Ah mais ça, parce que là, c'est pas top, hein. Ah là là, mon dieu. Oh là là.
Où est-ce qu'on sera? Je regarde un petit peu. Massage relaxant. Oh là, quoi, durant 11 heures, là, comme ça. Ah, donc demain, 8 heures du matin, ça sera déjà fini l'effet. Oh, c'est con, j'aurais peut-être dû aller peut-être le matin avant d'aller voir le... Enfin, au contrat, quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous auriez fait quoi, vous, dites-moi? Dites-moi un peu en commentaire, ce que vous auriez été plus tard, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais lu. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Eh bien, écoutez, amis, je pense qu'on va... je regarde le temps qui nous est imparti et je pense qu'on va se laisser ici avec ce petit épisode. Encore merci beaucoup à vous tous d'avoir participé au petit challenge de construction de spa. Donc, eh bien, voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao, ciao.